Salut tout le monde, c'est Wike, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un snapshot 13W37A, la seconde snapshot de Minecraft 1.7. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Vous allez désormais pouvoir faire des portails d'une laser de très grande taille, puisque vous allez pouvoir minimum faire un portail d'une laser de 4×5, donc le portail standard, mais aussi des portails allant jusqu'à 23 par 23 blocs de haut, donc un carré de 23×23. Donc si vous n'y pas quand votre portail n'était pas centré, vous allez pouvoir le centrer désormais dans votre pièce, donc vous faire des murs géants de portail, enfin à vous de voir, et vous allez pouvoir les allumer par n'importe quel bloc qui compose ce portail. Vous allez désormais pouvoir vous give des objets en mettant leur nom en anglais, donc comme la commande avant /give votre pseudo et mettre le nom de l'objet en anglais ou l'idée, à vous de choisir. Donc si vous ne trouvez pas l'idée, vous pouvez mettre son nom en anglais si vous le connaissez. Désormais, lorsque vous allez faire un screenshot de votre Minecraft, le lien va être cliquable, donc vous pourrez cliquer ici au niveau de la photo et ça va vous l'ouvrir. Vous allez désormais pouvoir dans les commandes blocs mettre jusqu'à plus de 246 caractères dedans, donc au niveau des commandes, donc faire des commandes assez grandes. Ça c'est pour ceux qui savent bien s'en servir. Je vous cite de la commande telware, donc pour moi ça envoie un message mais sans qu'il y ait console ou autre chose, donc j'ai pas tout à fait compris comment ça marchait, parce que moi et les commandes c'est pas tout à fait ça, selon les nouvelles commandes comment on explique pas comment ça marche. Donc voilà, donc si vous faites /telware par en haut plutôt, ça veut dire le mettre le nom du joueur et un message, mais je n'ai pas tout compris comment ça marche, donc si vous savez à quoi ça sert etc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ce sera vraiment bien. Ajoutez la commande aussi /7blocs, donc qui va vous permettre de changer des blocs de différentes façons, donc par exemple soit d'en détruire, soit d'en faire apparaître d'autres, par exemple de faire apparaître des coffres avec des systèmes de auto. Ça pourrait être pas mal pour les maps en rupture, donc à voir ce que les mapmakers plutôt vont nous proposer, mais pour ça il faut attendre la sortie de la 1.7. C'est déjà tout pour cette snapshot. Il y a aussi le truc de la commande /give qui nous permet de giver des systèmes avec un nouveau nom et une nouvelle description, mais je n'ai pas compris comment ça marchait, donc que je vous laisse découvrir ça pour vous-même. Donc désolé pour les petites commandes si j'ai pas réussi à trop vous expliquer comment ça marchait, mais j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé, donc désolé. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle snapshot, ou pour le moment pour une snapshot corrective s'ils en sortent une avec des trucs intéressants à vous présenter. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt.